Eh bien salut à tous, aujourd'hui les gars, on se retrouve avec une vidéo bonus de la part d'un abonné qui m'a fait un cadeau. Alors d'ailleurs, si vous voulez vous retrouver les gars dans les vidéos bonus d'intro, n'oubliez pas bien sûr de... soit vous m'offrez des cadeaux, mais je suis pas en train de vous demander de le faire, soit il faut jouer en game avec moi, faire certaines actions assez cool, par exemple des kills et tout, et je mettrai les best-of en quelques secondes à chaque nouvelle vidéo. Si j'en ai pas, bah je commencerai les vidéos comme d'habitude. Donc c'est parti, intro et vidéo bonus. Eh bien les gars, voici un cadeau de la part de ShadowVape21 et il me dit en petit commentaire, j'espère que ça te fera plaisir, vive la Team Zen. Et là les gars, son pseudo, n'oubliez pas, je le répète, ShadowVape21, donc ce petit clip se retrouvera dans une vidéo, merci à toi mec, ça régale de ouf. Oh, est-ce que je vais du coup pouvoir me... Eh bah ben non les gars, je vais pas pouvoir me cacher parce qu'à chaque fois que je vais vouloir me cacher, je vais m'étouffer avec les mottes pouf, disparcer dans un nuage de fumée ou pas. Merci à toi mec, ça fait vraiment plaisir. Alors, aujourd'hui les gars, il est question de la pioche Minty, c'est-à-dire le bonbon festif, qui est limité et que vous pouvez donc la trouver dans des magasins. Mais il faudra acheter un objet officiel de la part d'Epic Games. Alors, je vais vous lire un petit truc pour que vous compreniez. De nombreux produits Fortnite inédits seront disponibles dans les boutiques pour les fêtes de fin d'année. Certains revendeurs participant aux États-Unis, Royaume-Uni, en France et en Allemagne, pour tout achat d'un produit sous licence officielle de Fortnite, auront un code vous permettant de déverrouiller gratuitement la pioche bonbon festif dans le jeu, dans la limite des stocks disponibles. Sauf que les gars, la pioche bonbon festif, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une pioche candy, je sais pas si vous vous rappelez, la pioche candy, c'est la pioche sucre d'orge. Blanche et rouge, qui a justement les guirlandes tout autour et qui est sorti normalement le 24 décembre 2017, donc à la toute première année de Fortnite. Ensuite elle est ressortie que deux fois, elle est ressortie en 2018 et elle est ressortie le 14 janvier 2019, donc ça va faire bientôt un an qu'on ne l'a pas vu, la pioche sucre d'orge. Et bien cette pioche bonbon festif, c'est une version évolué, donc avec un autre style, donc une version verdâtre pour justement avoir cette pioche bonbon festif. Il faudra les gars avoir une carte avec un code. Alors ils disent chez Epic Games certes qu'il faudra donc avoir un objet acheté officiel, et normalement le vendeur, quand vous achetez un truc officiel, hop, il prend une petite carte et il vous la glisse dans votre sac, en mode, bah, vous avez fait un achat, tiens, une carte avec un code pour gagner la pioche. Sauf que j'ai appris qu'aux États-Unis, qu'au Royaume-Uni et dans certains pays où il y a déjà des cartes disponibles, eh bien, il suffit d'appeler ou d'aller voir votre magasin préféré, genre Micromania, et simplement de leur demander, est-ce que vous avez des cartes avec les codes, justement, du bonbon festif, s'il vous plaît. Et parfois, c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui sont en train de faire des concours sur Twitter et tout ça, c'est parce que la plupart du temps ils disent oui et ils vous les donnent. Et ensuite vous avez aussi les gens qui travaillent directement dans ces stores, qui prennent justement les 20 ou 30 ou 50 cartes disponibles, et qu'est-ce qu'ils font? Bah ils les prennent chez eux et ils font des concours Twitter pour vous. Et la plupart du temps ils les font aussi payer aux gens, donc ils vont vous la faire payer 5 €, sauf que le mec, il les a gratuitement sans en avoir le droit. Mais maintenant ce que je voulais vous dire, voilà, c'est que si vous allez gentiment chez votre vendeur, chez votre boutique gamer, et vous demandez s'ils ont des cartes, peut-être qu'ils vont vous les donner gratuitement sans que vous ayez à faire d'achat, puisque c'est ce qui se passe actuellement à travers le monde, dans les États-Unis et le Royaume-Uni. Donc cette pioche, les gars, très 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 jolie, très rare, je pense qu'il y aura justement que lieu d'être dans les quelques cartes cadeaux, et à part ça, vous ne l'aurez peut-être pas autrement, donc faites très attention. Allez, si vous voyez que vous trouvez pas un vendeur qui soit assez gentil pour vous donner votre carte, eh bien achetez-vous des V-Bucks officiels ou quoi, et normalement vous demandez bien s'ils vont vous donner la carte ou pas pour pouvoir la récupérer. À ce moment-là, vous aurez le code. Le code, vous le rentrerez bien sûr sur le site officiel Epic Games. Je vous ferai éventuellement une vidéo si je vois que la demande est faite sur les commentaires.
Donc dites-moi en commentaire si vous allez ou pas, ou si vous l'avez déjà ou pas, si vous comprenez ou pas comment faire le code, et je vous montrerai tout ça dans une autre vidéo si vous en avez besoin. Ensuite, vous allez devoir attendre, puisque ce bonbon festif n'est pas encore sorti, il va sortir la prochaine mage de Fortnite, et du coup vous allez le recevoir en game, en cadeau. Donc voilà les gars, l'explication de cette évolution de la candy cane, donc du sucre d'orge, en bonbon festif pour cette fin d'année, entre Halloween et Noël. Donc j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas les gars le code créateur Telmo-Lopez comme ceci, de vous abonner, de mettre un max de like et de me dire en commentaire ce que vous pensez de la pioche, mais surtout de rester zen. Je vous dis à tout à l'heure de moi pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.